va commencer, si vous voulez bien, cette deuxième table ronde qu'on a intitulée « Résister aux violences ». Alors, je pense que nous avons, nous le savions peut-être avant aujourd'hui, certainement même, mais beaucoup depuis tout à l'heure, que le corps, nos cœurs... Ah, beau lapsus, intéressant. Le corps, donc, n'est pas silencieux. Je m'en débrouillerai de mon lapsus. Donc, le corps n'est pas silencieux. Et donc, on sait, il y a des travaux sociologiques assez intéressants, d'ailleurs, dans mon domaine, dans le domaine du sport et des pratiques physiques, qu'on peut apprendre par corps. Et donc, avec nos corps sexués, on va voir aussi qu'on peut se défendre par corps, qu'on peut s'opposer, résister par corps à des violences. Et c'est ce dont il va être question donc, sur cette table ronde avec nos invités que je vous présente tout de suite. Donc, à ma gauche, donc, Idaline Lortiga, qui est militante féministe, qui a découvert l'autodéfense féministe peu après son arrivée à Paris. De 2009 à 2013, elle a suivi des ateliers d'autodéfense féministe, envisageant d'être formatrice. Et donc, elle a fini des études de sociologie, d'études de genre, avant de s'investir dans cette formation de formatrice qu'elle suit depuis juin 2016. Elle sera diplômée en septembre 2017. Parallèlement, elle a cofondé une association d'autodéfense féministe qui s'intitule Lorelai, au sein de laquelle elle co-anime des stages et des ateliers depuis juin 2016. À la gauche d'Idaline, Catherine Magueresse, qui est juriste, qui est ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, AVFT, Visiting Fellow, Human Rights Program, oh c'est dur pour moi ça, Harvard Law School, membre de Régine, donc recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe, et en cours de doctorat. Ah oui, votre doctorat de droit est en cours. Oui, c'est la formulation que je n'arrivais pas bien à suivre. Voilà. Donc vous êtes en thèse, en train de travailler. Normalement, je la termine prochainement. Voilà. Et à ma droite, donc deux intervenantes, Wissal Archagui et Ketsia Mutombo, qui sont toutes les deux cofondatrices donc du collectif contre le cyberharcèlement. Constitué en association, ce collectif dénonce et combat les discriminations et les cyberviolences dont les femmes sont victimes. Alors, Ketsia, donc, qui est étudiante en droit, s'est emparée de nombreuses thématiques telles que le blanc triarcat, la religion en contexte de postcolonialité, mais aussi le droit à l'image et les cyberviolences. Quant à Wissal, elle a pris la parole sur des sujets aussi divers que la condition des femmes maghrébines en France, l'homosexualité en islam et l'accès à la santé en France. Alors, je vais donc faire, selon nos usages, poser la première question. Donc, si j'ai sorti mes questions, ce sera beaucoup mieux. À nos intervenantes. Donc, je vais commencer par Catherine Lemagueresse. Quelle est la situation concrète qui a présidé donc à votre engagement, donc situation concrète en termes bien sûr de violence? Oui, vous allez préciser pourquoi on vous a sollicité en fait peut-être. Hein, sur la problématique du viol, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord commencer par vous faire part de l'interrogation qu'a suscité le titre de la table ronde « Résister aux violences ». Parce qu'en droit, quand on parle de résistance, on se rappelle que les femmes ont l'obligation de résister lorsqu'elles sont confrontées aux violences. Et donc, quand on regarde dans le dictionnaire, d'ailleurs, c'est intéressant qu'un des cas cités pour définir le mot « résister », c'est « repousser les avances amoureuses », résister aux assiduités, à l'insistance de cet infâme, que vois-je, elle me résistait, je l'ai assassinée. C'est Dumas. Père qui écrit ça.
Donc voilà, une des premières lectures du terme « résister », c'est celle-là, ce qui pose évidemment problème, mais ce n'est pas exactement l'objet de ce colloque, je le sais bien. Deuxième lecture possible, c'est celle dans laquelle on s'inscrit, qui est nous sommes confrontés aux violences en tant que femmes, c'est un fait acquis, et ces violences nous conduisent à réfléchir aux stratégies que l'on peut mettre en place pour résister, pour ne plus y être confrontés et pour les éradiquer. Maintenant, je réponds à la question. Donc, quelle est la situation concrète qui a présidé à votre engagement ou qui se dégage de votre travail d'analyse ? Alors, il me faut préciser que moi, il n'y a pas de dissociation entre mon engagement et mon travail d'analyse. Donc, ce n'est pas « où », mais « et » auquel je vais répondre. Et ensuite, il n'y a pas une situation concrète, mais 95% des situations auxquelles j'ai été confrontée, donc en accueillant des personnes victimes de violences, principalement des femmes, victimes de violences, et donc ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur la question des violences sexuelles à l'encontre des femmes. Et sur ces 20 ans, ce qui se dégage, c'est le constat d'une disqualification permanente de la parole et de l'expérience des femmes. Et c'est une disqualification qui est organisée par le droit. Alors, je vais être un petit peu plus précise. Pourquoi est-ce que je dis que c'est organisé par le droit ? Parce que d'abord, le droit, pour pouvoir déposer plainte, il faut que ça rentre dans des cases, dans des incriminations pénales qui sont rédigées d'une certaine façon, ce qui fait que si ce que la femme dénonce ne correspond pas aux cases, on l'oriente vers la sortie. C'est-à-dire, c'est classement sans suite, elle n'obtiendra pas gain de cause. Et il se trouve que ces incriminations, elles ont été rédigées, elles ont été pensées, elles ont été conceptualisées à partir de l'expérience des hommes et à partir de la peur qu'avaient les hommes que leur comportement soit dénoncé. Alors, soit dénoncé éventuellement peur d'être des accusations fausses, ou alors peur du fait qu'on va remettre en cause leur droit d'accès au corps des femmes. Et le droit pénal s'est organisé autour de ça, cette double peur. Peur d'être faussement accusé, peur de ne plus avoir le droit d'accéder au corps des femmes. Alors concrètement, cette disqualification, elle se traduit comment ? Par la mise en place de procédures ou de mécanismes qui permettent de sélectionner, de trier parmi les victimes, celles qu'on considère comme des vraies victimes, ou de victimes de vraies violences, évidemment, avec tous les guillemets qui s'imposent lorsqu'on utilise ces termes. Et alors, pour illustrer ce propos, je vais prendre quelques exemples. Je prends par exemple le mécanisme d'exclusion des plaintes par la prescription. La prescription, qui est donc ce mécanisme légal qui a été mis en place pour filtrer les plaintes trop anciennes, il y a eu une amélioration très récemment par la loi du 27 février 2017 qui a doublé les délais de prescription, puisque maintenant on a 6 ans pour déposer plainte pour les délits et 20 ans pour les crimes, mais qui reste un mécanisme d'exclusion qui n'existe pas dans beaucoup de pays. C'est important de le savoir parce qu'en France, on nous le justifie en disant que ça a toujours existé, que ce sera toujours comme ça, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il y va de la paix sociale, qu'il y va d'un certain nombre de justifications qui sont toutes auxquelles on peut répondre absolument pour chacune d'entre elles. Et l'imprescriptibilité, elle existe au Canada, elle existe en Grande-Bretagne, elle existe en Irlande, elle existe en Nouvelle-Zélande, elle existe dans certains États des États-Unis. Donc voilà, il y a beaucoup de pays qui l'ont adoptée et qui le justifient, eux, par le fait que la prescriptibilité, pour les victimes, les violences sont imprescriptibles. Elles le sont dans leur vie, d'ailleurs. Tant qu'elles n'ont pas pu le dénoncer, en général, elles continuent à y penser, elles continuent à vouloir le dénoncer. Et on voit que dans la vie des femmes, c'est certains événements qui vont leur permettre de dénoncer à un moment qui ne correspond pas au moment forcément du droit. Donc ça, c'est un mécanisme d'exclusion. Deuxième mécanisme d'exclusion, exemple de mécanisme d'exclusion de certaines plaintes, ce sont les pratiques policières qui sont illégales, qui consistent, par exemple, à refuser de prendre une plainte dans un commissariat ou à décourager fortement les victimes de déposer plainte. Alors, le refus de prendre une plainte, c'est absolument illégal, puisque le Code de procédure pénale nous dit bien, c'est l'article 15.3, qu'on peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie, que l'on doit avoir le récépissé de sa plainte et qu'éventuellement, sur demande, on doit avoir le PV,
le procès verbal pardon, d'audition de cette première plainte. Ce qui est très méconnu en France. Il n'est pas rare que les victimes sortent de là en n'ayant aucun papier. Donc, elles ne savent pas si elles ont vraiment déposé plainte, si c'était une main courante, si, parce qu'il n'y a pas eu ce travail d'information qui devrait être dû par la police. Alors donc c'est illégal, pour autant c'est une pratique très courante, je pense que vous avez tous et toutes des exemples de victimes qui se sont présentées et qui ont été jetées du commissariat. Alors il y a des progrès qui sont faits, il faut les mettre en avant parce que sinon on désespère. Ceci dit, c'est très localisé. Alors je sais qu'à Paris par exemple les policiers sont très régulièrement formés aux questions de l'accueil, l'écoute, il y a des documents qui ont été écrits sur comment recevoir une plainte, voilà. Le problème, c'est que les policiers bougent et qu'il faudrait les former en permanence. Et que là, c'est une question de moyens et de volonté politique, bien sûr, comme à chaque fois qu'il est question de moyens. Quelque chose qui manque, par exemple, c'est pour une femme qui ne voudrait pas déposer plainte tout de suite, mais qui pour autant voudrait se garder le droit de déposer plainte plus tard, et pour autant conserver les preuves médicales, je pense là au viol et au prélèvement qui pourraient être faits. C'est quelque chose qui n'est pas possible. En France, pour avoir des prélèvements dans les instituts médico-judiciaires, donc qui sont les endroits où on peut faire tous ces prélèvements, les conserver, il faut une réquisition de la part de la police, donc ça vous oblige à déposer plainte. C'est fini. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la trousse médico-légale qui est offerte, qui est de droit à toute victime de violences sexuelles, qui va pouvoir avoir tous les examens médico-légaux qui vont lui permettre de conserver les preuves pour le moment où elle voudra déposer plainte. Donc c'est quand même très intéressant puisque ça évite d'avoir ce couperet de soit vous déposez plainte, soit vous perdez les preuves. D'accord, merci. Oui. Je vais poser donc la même question à Idaline. Hein, et donc, quelle est la situation ou les situations qui ont présidé à votre analyse et aussi ou à votre engagement, dans ce que vous faites? Alors, je vais répondre en parlant d'abord du contexte de violence, ensuite de mon parcours et enfin de la création de Lorelai. En ce qui concerne le contexte de la violence, je pourrais parler des chiffres sur les violences faites aux femmes, je pourrais parler des chiffres qui sont encore plus élevés spécifiquement sur les violences faites aux femmes handicapées, je pourrais parler de harcèlement de rue, de viol correctif, de fémicide, d'agression en tout genre. Je pourrais également évoquer les histoires de violence, les miennes, celles des femmes qui ont croisé ma vie à différents âges. Donc des femmes racisées, des lesbiennes, des adolescentes, des travailleuses du sexe, des mecs et des meufs trans aussi, des enfants. Je vais simplement préciser que c'est dans un contexte de violence que mon action est plus largement celle de l'association dont je fais partie, qui s'appelle Lorelai. C'est dans un contexte de violence que cette association est née. Et au sein d'une société hétérosexiste, cissexiste, raciste, classiste, validiste, et j'en passe. La situation qui a présidé à mon engagement dans l'autodéfense féministe est un constat renouvelé au fil des années. Depuis très jeune, j'étais étonnée de constater que là où je me défendais verbalement et physiquement, des amis, des femmes, des jeunes filles se sentaient incapables, se sentaient vulnérables et n'arrivaient pas à se défendre. Je pense notamment aux situations dites de drague, non consentie, au harcèlement dans l'espace public. En 2002, je fais un stage dans une maternelle et je suis satisfaite de constater que les petites filles se défendent très bien, elles n'hésitent pas. Elles crient, elles disent non, elles frappent aussi bien les petites filles que les petits garçons. Et en tant qu'adulte, je reçois même quelques coups de pied dans les tibias. Le changement se fait donc sans doute un peu plus tard, entre la maternelle et l'école primaire. L'école, la famille, la socialisation désapprend aux petites filles à se défendre. Elles doivent être douces, elles doivent être à l'écoute, elles doivent être avenantes, elles doivent prendre soin d'eux. Je me souviens de ces phrases qui n'ont pas eu tellement d'impact sur moi.
Ce n'est pas beau pour une petite fille, les jeunes filles ne font pas ça. Ou ce n'est pas beau dans la bouche d'une jeune femme. Je me souviens de l'envie de faire des sports de combat très jeune. Je me souviens que c'est mon handicap qui, adolescente, m'en empêche. En arrivant à Paris en 2007, je découvre les féminismes, le queer et très rapidement l'autodéfense féministe. Je m'inscris à un cours où aucune condition physique n'est exigée. De 2009 à 2013, je suis des ateliers d'autodéfense féministe. Je suis séduite et je suis convaincue. Je décide à ce moment-là de devenir formatrice et de transmettre à mon tour à celles à qui on a interdit et à celles à qui on a désappris. Enfin, je vais vous parler rapidement de la création de l'association Lorelai. Donc, fin 2015, je contacte l'association Garance dans le but de participer à la prochaine formation de formatrice. Je parlerai de Garance un peu plus tard. En 2016, avec deux autres personnes, Ali et Pécha, nous montons l'association Lorelai Autodéfense. Ali a été formée par Garance à Bruxelles il y a 7 ans, dans le cadre du projet Daphné pour la lutte contre les violences spécifiques faites aux travailleuses du sexe. Le projet visait à former des formatrices et des formateurs pairs. Et Pécha propose des ateliers d'autodéfense dans le cadre du STRAS, du syndicat du travail sexuel, depuis 2015. Ces ateliers sont aussi à destination des travailleuses du sexe. Pécha a postulé à la formation de formatrice de Garance, donc comme moi, en 2016-2017. Lorelai est le résultat de la mise en commun de notre projet et de nos envies. Et quelques jours après la naissance de Lorelai, Pécha et moi, nous recevons la réponse positive de Garance. Nous sommes toutes les deux prises pour la formation de formatrice. Donc, Garance, c'est une association qui a été fondée à Bruxelles en 2000 par Irène Zellinger. Et Irène Zellinger, c'est l'autrice de Non, c'est non, petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Et c'est ainsi que débute l'association Lorelai et cette aventure. Voilà. Merci beaucoup, Idaline. Je me tourne maintenant vers Wissa et Ketsia, donc pour vous poser la même question. Quelles sont les ou la situation concrète qui vous ont amené à vous engager, à créer peut-être, enfin pas peut-être, parce que vous êtes cofondatrice, ce collectif? Effectivement, comme Madame Louveau l'a dit, nous sommes toutes les deux cofondatrices du collectif contre le cyberharcèlement, un collectif qui a été fondé il y a de ça un an et demi, et qui est partie du constat d'une situation de cyberviolence généralisée. En effet, en tant qu'utilisatrice, nous sommes toutes dans ce collectif utilisatrices de réseaux sociaux. On a été soit témoins, soit cibles, soit même les deux, de cyberharcèlement, de revenge porn, ou plus en général, de lynchage sur des plateformes informatiques. Forte de cette expérience extrêmement violente, on a cherché un petit peu à mettre en avant, à étudier un petit peu ces mécanismes de discrimination qui étaient communs à bon nombre de situations. On s'est rendu compte, parce qu'il y avait très très peu de chiffres et d'enquêtes à l'époque, de la redondance de certains schémas, notamment des schémas avec des jeunes filles qui étaient racisées, c'est-à-dire qui étaient non blanches, qui étaient d'origine sociale défavorisée ou qui venaient de banlieue, voire les deux, et qui étaient queer. Ce qui a un petit peu imposé une grille d'analyse intersectionnelle et qui a en même temps contribué au fait qu'il a fallu qu'en fait nous-mêmes on se rende compte et qu'on travaille sur ces problématiques-là, puisqu'en France, par exemple, toutes les statistiques raciales sont interdites et que le problème du cyberharcèlement était un sujet dont peu d'universitaires s'étaient encore saisis à l'époque, ce qui est toujours le cas malheureusement. Outre ce schéma redondant, on s'est rendu compte qu'il y avait une conscience sociale extrêmement peu présente autour du problème du harcèlement sur les réseaux sociaux, avec l'idée qu'à partir du moment où c'était sur Internet, il suffisait de fermer son ordinateur, il suffisait d'arrêter d'utiliser, de se soustraire un petit peu de ces réseaux sociaux et de ne pas en faire usage, ce qui est une injonction totalement insupportable et en fait impossible au XXIe siècle. Dans ces situations, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un côté inévitable, en ce sens que, comme je vous l'ai dit, il est impossible de demander, notamment à une jeune fille de 15 ans, de ne pas être sur les réseaux sociaux, que c'est une exigence sociale et plus tard professionnelle qui s'impose à tous et à toutes.
qu'en plus de ces situations, il y a un côté beaucoup plus social qu'individuel, qu'en règle générale, qu'il est important de mettre en évidence l'hypersexualisation et la culture du viol, qui sont pour le coup beaucoup plus systémiques que le fait de quelques cas individuels qui seraient des exceptions. Et avec une espèce d'extension qui serait propre justement à l'usage de ces cyberharcèlements. C'est-à-dire qu'avant, il y avait du harcèlement dans les collèges et dans les lycées, et que ce harcèlement, on en avait plus ou moins conscience, que certains pouvaient nous venir en aide et qu'il suffisait de partir en fait de ces instances et d'aller soit au lycée, soit à la fac par la suite pour y échapper. Avec le cyberharcèlement, il y a l'idée que ça ne s'efface jamais réellement, qu'en plus de ça, c'est étendu à l'échelle de la ville, et parfois même à l'échelle nationale. C'est-à-dire que nous, on a assisté à bon nombre de cyberharcèlement où, pendant toute une soirée, l'ensemble du Twitter français allait s'emparer d'un cas de revenge porn particulièrement sanglant et particulièrement humiliant pour la victime. Et que ces cyberharcèlements étaient en général, il y a une espèce de quête avec le nom de la victime, l'adresse de la victime, tout sur toute une volonté de traîner la victime dans la boue. Sachant que sur Internet, rien ne s'efface réellement, c'est quelque chose qui pèse et qui nous suit réellement. Quand on a réussi à mettre le doigt sur ces mécanismes, on a un petit peu cherché à savoir ce que les pouvoirs pouvaient faire pour nous. On s'est rendu compte qu'en fait, pas grand-chose. Déjà au niveau de la loi, d'un point de vue légal, il n'y avait pas énormément de choses qui étaient faites pour le revenge porn à l'époque. Il y a eu entre-temps un petit amendement qui ajoutait des circonstances aggravantes, il me semble. Sur le revenge porn, mais c'est en général, quand il ne s'agit pas de débat à l'Assemblée nationale, quand une jeune fille se rend dans un commissariat pour parler de revenge porn ou de cyberharcèlement, il y a de fortes chances que le commissaire qui prenne sa plainte ne sache pas de quel réseau social il s'agit, ne puisse qualifier ce cyberharcèlement et ne prenne tout simplement pas sa plainte pour rebondir sur l'intervention de tout à l'heure. C'est un cas qui est extrêmement fréquent. Outre l'aspect légal, il y a aussi, on a rencontré pas mal d'instances informatiques, pas mal de réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Et en règle générale, c'est ces réseaux sociaux qui ont été fondés par des hommes blancs, prennent très peu en compte ces mesures-là, tout simplement parce qu'elles servent en règle générale justement d'instances de cyberharcèlement. Facebook, même dans sa conception, était censé noter les jeunes filles, les photos des jeunes filles selon leur beauté. Donc il nous paraissait un petit peu paradoxal qu'ils fassent grand-chose plus de 10 ans, 15 ans après leur fondation pour nous. C'est-à-dire que quand on rencontre ces instances-là, elles ont tendance à nous sortir des mesures qui, en fait, sont, dans les faits, ne font pas grand-chose. On a notamment parlé de cas de pédopornographie. Et lorsqu'on a voulu dénoncer ces cas et dénoncer le fait que nous, ce qu'on avait commencé à faire au début, c'était à 100 ou 200 signaler des photos de pédopornographie avec des jeunes filles qui étaient mineures sexuellement, qui ne consentaient pas à la publication de photos qu'elles avaient peut-être prises ou qui avaient été prises à leur insu, nous avait avancé que si ces photos avaient été déjà signalées, il suffirait de les signaler encore 100 ou 200 fois pour qu'ensuite elles soient effacées. Le problème, c'est que, en fait, il serait utopique de penser que toutes les photos de pédopornographie qui sont recensées sur l'Internet et sur le dark web seraient un jour recensées par les internets. Il y a plein d'autres choses qui nous ont incités en fait à se constituer en collectif. Notamment le hashtag sur lequel on s'est lancé, qui a été un petit peu le début de notre collectif avant qu'on ne se constitue en association, à savoir Twitter Against Women, un hashtag qui a été lancé début janvier 2016, il me semble, et qui cherchait justement à dénoncer l'inaction de ces réseaux sociaux, qui par ailleurs étaient extrêmement vifs à trouver des mesures lorsqu'il s'agissait de publier des films ou des chansons qui bénéficiaient de propriété intellectuelle, ou lorsqu'il s'agissait de publications, de médias islamistes, ce genre de choses. Il pouvait parfois même empêcher la publication de photos si ces photos présentaient certains caractères qui avaient été recensés chez Facebook notamment, mais qui étaient totalement inactifs à supprimer des photos et des vidéos qui sont parfois extrêmement graphiques. Je pense notamment à des vidéos de viol qui ont parfois été signalées 100, 200 fois en l'espace d'une ou deux heures
et qui restait 24 heures et qui enchaînait un nombre de recels assez incroyable. On s'est donc constitué à partir de ce hashtag. Et suite à ce hashtag, on s'est toutes rencontrées, sachant que de base, on était toutes utilisatrices de réseaux sociaux. On a parallèlement, d'abord, on a constitué un laboratoire d'idées où on a pu théoriser pas mal de choses. Non, il n'y a pas de souci, j'ai pratiquement fini. On a pu mettre le doigt sur pas mal de ressorts qui nous manquaient, non seulement en tant qu'activiste, mais aussi en tant qu'universitaire, notamment ce que la racialisation entraîne en matière d'inconscient colonial, d'hypersexualisation, ce qu'être queer et ce que la condition sociale entraîne aussi, mais aussi en tant que veille, c'est-à-dire qu'on, pour le coup, on veille vraiment à dénoncer toute la production médiatique, notamment, qui serait problématique. Je vous remercie. Vous aurez l'occasion d'expliquer par la suite ce que vous faites pratiquement, concrètement, davantage. Pardon. Alors, je vais passer donc maintenant à la deuxième question, justement, sur les dimensions concrètes, les actions que vous pouvez les unes et les autres mener ou analyser donc par rapport au domaine dans lequel vous êtes engagé ou sur lequel vous travaillez. Donc, tiens, justement, je vais commencer par vous, donc sur le cyberharcèlement, sur cette deuxième question. Voilà, donc les actions qu'on mène dans notre collectif par rapport au cyberharcèlement et plus généralement aux cyberviolences, on peut dire qu'il y a 8 grands types, en fait, d'actions que l'on mène. La première serait la sensibilisation. On essaye vraiment d'expliquer et de dénoncer les conditions et les situations plutôt de cyberharcèlement et de cyberviolence et voilà, de dénoncer leurs ressorts. Ensuite, quand on s'est constitué et qu'on a créé notamment le hashtag Twitter Against Women qui a été vu à peu près 28 000 fois, enfin par 28 000 internautes, individuel, on a pu élever dans le débat public la question des cyberviolences, du cyberharcèlement. Et comme des activistes en ligne comme Anaïs Bourdet de Paytachnek ont fait avec le cyberharcèlement, on a pu tenter de nourrir la notion, plutôt elle l'a fait avec le harcèlement de rue, on a pu tenter de nourrir la notion de cyberharcèlement et d'expliquer en fait en quoi elle était vraie et en quoi elle était effective. Ensuite, on essaye, pas forcément on essaye, on le fait. On diffuse à travers nos différentes plateformes de réseaux sociaux des éléments de vulgarisation du féminisme intersectionnel. Donc, que ce soit par nos comptes Instagram, Facebook, Twitter, on essaye vraiment de parler de ressorts féministes qui sont très importants pour nous, comme la misogynie noire, le validisme, la transphobie, tout plein de ressorts et de questions en fait qui n'ont pas toujours été dominantes dans le discours féministe. Ensuite, on diffuse de bonnes pratiques numériques. On a de la chance de pouvoir avoir au sein de notre collectif une graphiste donc, qui est Laure Salmona, qui crée des infographies auxquelles on pense toutes, mais qui permettent notamment d'avoir de bonnes dispositions et de bons réflexes sur les réseaux sociaux pour ne pas participer au cyberharcèlement ou pour les comprendre. Ce qu'on a vu, on a remarqué beaucoup de cas où il y avait des internautes qui étaient vraiment sensibles à la situation, à la condition d'une personne qui vivait un cyberharcèlement, mais qui n'avaient pas forcément les bons réflexes pour les dénoncer et qui faisaient qu'ils participaient à des hashtags ou à des mentions d'auteurs de cyberharcèlement qui diffusaient des informations de la victime et la rendaient encore plus vulnérable. Donc on a par exemple créé la charte des Cyber Angels pour expliquer comment on fait pour dénoncer un cyberharcèlement sans participer à la diffusion des informations d'identification de la victime. Tout naturellement, on accompagne et on assiste, on informe aussi des victimes, donc à notre échelle de bénévoles et d'expertes sur le cyberharcèlement, en nombre assez limité. On essaye vraiment d'être une présence déjà féministe et bienveillante pour les victimes de cyberharcèlement,
qu'elles soient dans la volonté de porter plainte ou de recevoir des soins de santé. Parce qu'encore une fois, les cyberviolences et particulièrement le cyberharcèlement sont de réelles violences. En fait, ce n'est pas parce qu'elles prennent place dans un lieu immatériel qu'elles n'ont pas de conséquences physiques. Dans la majorité des cas, notamment pour les victimes, nous, on recense de l'anxiété sociale, des troubles du comportement alimentaire, presque toujours des pensées suicidaires, notamment le cyberharcèlement à caractère sexuel. Donc voilà, on est aussi là pour les aider à trouver des soins de santé, mais aussi préparer les confrontations au commissariat quand elle le désire, parce que souvent, en fait, la victime, à ce moment-là, se refait victimiser par des agents et des officiers de police judiciaire qui sont très peu sensibles à ces questions. Et ça nous a conduit, enfin, toute l'expertise qu'on a développée nous a conduit à faire des consultances auprès d'institutions et d'associations. Et désormais, on s'oriente aussi vers la formation de professionnels qui sont en premier contact avec les victimes, comme les professeurs, les psychologues. Et très bientôt, on devrait faire des interventions en milieu jeune et scolaire. Et pour ce qui est de la deuxième partie de la question, donc qui est des analyses des situations qu'on a pu vivre, qu'on a pu plutôt observer, c'est que nous, ça nous a permis, donc cet engagement contre le cyberharcèlement et les cyberviolences nous a permis de comprendre et de relever les oppressions systémiques qui sont scellées dans le contrat social de nos sociétés postcoloniales, car les cyberviolences, en fait, sont juste la continuité de violences portées dans nos représentations collectives. En fait, elles ne sont pas inédites, ce sont les violences du quotidien qui sont véhiculées par des moyens modernes de communication. Et donc, étant majoritairement dans le collectif issu de l'immigration postcoloniale, on analyse énormément la blanchité. Donc, qu'est-ce que la blanchité ? C'est la position sociale, c'est les prérogatives ou encore les potentialités des personnes qui sont socialement blanches. Donc, ça nous permet de comprendre certaines oppressions et pourquoi, notamment dans les cas de cyberharcèlement, on pouvait remarquer que certaines remarques pouvaient être encore plus vigoureuses à l'encontre des jeunes femmes racisées, que l'injonction... à être respectable dans sa sexualité pouvait être encore intensifié. Donc ça nous permet de comprendre ce qui se passe en ayant cette analyse politique et aussi historique. Donc on essaye aussi de comprendre dans nos sociétés quels corps sont en marge en fait de celle-ci. C'est extrêmement pertinent à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure où l'image... est encore plus un moyen de communication, ce qui peut être très positif d'ailleurs. C'est vraiment pas un problème en soi. Mais on essaie de comprendre quels corps sont marginalisés dans nos sociétés. Donc on remarque que les femmes en situation de handicap, les femmes transidentitaires, les femmes racisées, les femmes âgées, les femmes grosses ou encore les femmes queer, donc visiblement pas forcément hétéro, ne sont pas considérées comme une norme ou ne sont pas considérées comme acceptables. Et ce sont des positions, en fait, qui sont à risque dans les cas de cyberharcèlement et de cyberviolence. Merci. Merci à vous. Donc, même question pour Idaline, par exemple. Donc, quelles sont les actions que vous menez ? Ou activités qui oui. sont utilisées, mises en œuvre. Pour parler des actions, je vais présenter d'abord la méthode Garance, puis les formations dans le cadre de l'association Lorelai, et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ce nom. Donc, dans le cadre de Lorelai, nous suivons la méthode Garance. C'est une méthode qui est aussi appelée Saitoboe, qui a été développée en Autriche, puis en Belgique. Elle a été créée en 1977 à Vienne. L'idée première est qu'elle soit transmise par des femmes et à des femmes. En ce qui concerne les techniques physiques, la méthode Garance privilégie les esquives et les enchaînements,
plutôt que la confrontation force contre force et des techniques isolées. L'enjeu est avant tout de proposer de l'autodéfense adaptée à toutes les femmes et qui sont adaptées aux agressions spécifiques qu'elles subissent. Donc il ne s'agit pas d'un sport de combat à pratiquer sur un ring, et de plus il n'est pas question uniquement de savoir technique. Pour se défendre, il n'est pas juste nécessaire de connaître les prises et d'être capable de mettre en place ça sur un ring, en fait. Les rapports de pouvoir, notamment les rapports de genre, affectifs, les normes sociales, la gestion des émotions, sont autant de facteurs à prendre en compte. La méthode Garance combine l'autodéfense émotionnelle, mentale, verbale et physique. Donc il n'est pas question de prouesse stylistique verbale, ni de la beauté du geste d'un art martial classique. Ce que nous apprenons et ce que nous transmettons est simple, rapide, efficace. Donc les formations que Lorelai propose, dans le cadre de Lorelai, nous faisons de la prévention des violences. Donc l'idée est d'intervenir avant que les agressions arrivent ou avant qu'elles se renouvellent. Pour le moment, nous proposons deux types de formations. Donc, des stages de deux jours qui permettent de s'approprier les bases de l'autodéfense féministe et des ateliers de renforcement de 3 heures où peuvent venir toutes personnes qui ont déjà suivi un stage de base avec Lorelai ou qui ont suivi un équivalent dans une association féministe. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, une personne qui aurait suivi un an de cours d'autodéfense au sein de la police n'est pas acceptée dans les stages parce que ce n'est pas du tout la même approche. D'ailleurs, j'ai envie de rajouter que lundi 3, il y a un atelier de renforcement de 3 heures. Donc à ce jour, on a organisé 9 stages et 3 ateliers de renforcement. Et uniquement dans le cadre des stages, nos actions ont touché 89 personnes. Je vais ouvrir ici une parenthèse. Je parle de femmes car nos formations leur sont principalement destinées. Donc par femme, j'entends les femmes trans et les femmes cisgenres à partir de 16 ans. Nous avons aussi proposé un stage en non-mixité meuf-gouine trans, donc ouvert également aux hommes trans, et un stage pour les gays cis et trans, donc qui se définissent notamment comme folles et dont les masculinités ne correspondent pas aux attentes de la société. Voilà, je vais fermer ici la parenthèse. Je tiens à souligner que les moments d'apprentissage se font selon une approche féministe. En tant que formatrice, nous privilégions la co-construction des savoirs. Nombreuses sont les femmes qui ont subi des violences, et si elles sont présentes en stage ou en atelier, c'est parce qu'elles ont mis en place des stratégies d'autodéfense pour s'en sortir. Donc, si les participantes ont à apprendre des formatrices, l'inverse est tout aussi juste. Pour conclure ce point, je vais un peu empiéter sur la réponse à la question suivante. Mais il me semble essentiel que je parle de ça maintenant pour bien expliquer notre démarche. Et puis, j'adore raconter cette histoire. Donc, nous avons choisi... on n'a pas choisi justement le nom de l'association Lorelai au hasard. Lorelai, c'est le nom d'un rocher qui est en Allemagne, sur les côtes du Rhin. Et... en bas de ce rocher, il y a plein de rochers qui sont immergés dans l'eau, ce qui fait que ça rend la navigation extrêmement difficile et qu'il y a plein de bateaux qui ont coulé et qu'il y a plein de marins qui sont morts. L'hétérosexisme aidant, les croyances populaires ont fait apparaître une nix, une sirène magnifique, sur ce rocher qui s'appelle Lorelai. La sirène s'appelle également comme ça. Et donc la sirène Lorelai, féminine, malveillante, attirait les pauvres petits marins pour les tuer. Le nom Lorelai, c'est aussi une technique d'autodéfense où la défendeuse en Lorelai est à terre. Elle est dans une position qui peut paraître détendue, voire vulnérable. Mais en fait, la défendeuse en position Lorelai est redoutable. En une fraction de seconde, elle peut mettre un agresseur hors d'état de nuire.
Mais pour cela, il faut que l'agresseur se trouve très très près, à environ une demi-jambe de distance. Donc il faut qu'il soit réellement en train de l'agresser. Le lien entre les deux histoires est simple, c'est la question de la responsabilité et de la culpabilité. Il n'y a pas de sirène malveillante qui ôte la vie aux pauvres petits marins sur les bords du Rhin. Et il y a en fait des marins dont les erreurs de navigation leur sont fatales. Et contrairement aux images véhiculées dans nos sociétés, les victimes d'agressions n'ont aucune part de responsabilité dans les agressions qu'elles subissent. Aucune. Et elles sont toutes légitimes à se défendre. Donc la responsabilité et la culpabilité doivent être mises sur la seule personne qui le mérite, la personne qui agresse. Et pour conclure, j'ai envie de dire que qui agresse une femme risque de se trouver face à une défendeuse Lorelai. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce développement. Catherine Lemagares, maintenant, parlons d'actions concrètes ou d'analyses que vous avez pu faire. Alors, ce sera les deux, encore une fois. Voilà, d'accord. Il faudrait mettre du Lorelai dans le droit, en fait. Ça ouvre des perspectives. Je reprends mon fil sur la disqualification de la parole et l'expérience des femmes. Pour rappeler quand même que 2% des plaintes pour viol aboutissent à des condamnations et que donc, à l'inverse, vous avez fait le calcul, 98% des violeurs sont dans une situation d'impunité. Quelles actions menez-vous, avez-vous analysé ? Le choix a été difficile et en fait, je me suis arrêtée à deux types de procédures parce que ça me semble, dans le fil d'ailleurs de ce qu'on vient de voir, sur le droit des femmes de se défendre par le droit. Donc, elles déposent plainte, elles mettent en cause la responsabilité de l'agresseur, mais le droit a donné aux agresseurs des outils pour punir celle qui a osé dénoncer. Et là, je parle du délit de dénonciation calomnieuse et du délit de diffamation. Alors, ce sont des moyens, des armes, alors soit dissuasives, parce que les agresseurs s'en servent, hein, disent aux victimes, de toute façon, si tu fais quelque chose, je te préviens, je te colle une plainte. Et c'est très dissuasif pour les victimes. Ou alors, quand elles ont déjà déposé plainte, ce sont des représailles pour la plainte qu'elles ont déposée. Alors, je vais prendre deux exemples. Pour la dénonciation calomnieuse, c'est Madame K qui a déposé plainte contre son employeur pour viol. Un juge d'instruction a été nommé, a trouvé que les viols n'étaient pas constitués, a rendu une ordonnance de non-lieu. Madame K n'a pas interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu sur les conseils de son avocat, parce que de toute façon, elle n'avait aussi pas d'argent pour payer un avocat plus loin. Et donc, l'agresseur a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle a été condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende. 15 000 euros d'amende, pour vous donner une idée, en moyenne, c'est ce qu'on obtient quand les agresseurs sont condamnés de dommages intérêts, pardon. Les agresseurs, quand ils sont condamnés pour viol, obtiennent ça à peu près. Enfin, les victimes obtiennent ça à peu près. Donc, il y a une équivalence. Vous avez déposé plainte pour viol, et ben vous allez payer le même montant de dommages intérêts à l'homme qui vous a violé. Il se trouve que cette femme élevait seule ses deux enfants, donc régulièrement, elle se demandait si elle payait à la cantine ou si elle payait les dommages intérêts au violeur. Et quand on a appris cette condamnation à la VFT, ça a été un électrochoc pour nous, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on conseille aux femmes de déposer plainte, de résister par le droit, vu le coût que ça représente ? Et dans le même temps, était discutée en France la loi sur la présomption d'innocence. Et je me suis dit, en fait, quand on analysait le délit de dénonciation calomnieuse, la façon dont il était rédigé, on se rendait compte que les femmes victimes de viol étaient condamnées quasiment automatiquement. Et donc, on dit, mais là, c'est une violation de la présomption d'innocence des femmes victimes de violences qui dénoncent. Et donc, on a soulevé ça devant la cour d'appel, recondamnation, confirmation, devant la cour de cassation, recondamnation, confirmation, article de doctrine en disant, mais vraiment, où est-ce qu'elles vont chercher l'atteinte à la présomption d'innocence ? Très dénicateur, très méprisant. On saisit la Cour européenne des droits de l'homme et on gagne l'arrêt, enfin, et donc la France est condamnée. La France étant condamnée, elle est obligée de changer sa loi et donc on obtient la modification de la loi sur la dénonciation calomnieuse. Et Madame K obtient la révision de son procès et donc elle n'est plus coupable de dénonciation calomnieuse et elle obtient quelques dommages et intérêts. Malheureusement, entre-temps, le violeur est mort. Donc il n'a pas pu restituer l'argent qu'il avait perçu. Donc voilà, à coup de ténacité et d'une part de créativité, on obtient
Une façon, voilà, c'est pour quand même montrer que... Mais ça a pris, c'est 19 ans après les violences. Hein. 19 ans de procédure. Mis bout à bout, deuxième outil de représailles pour les agresseurs, la question de la diffamation. Et là, on est en pleine actualité avec l'affaire Baupin. Hein, immédiatement, ça a été... Enfin, d'ailleurs, il a utilisé les deux, diffamation et dénonciation calomnieuse. Et puis une autre actualité, l'affaire Welser-Lang. Welser-Lang, donc professeur de sociologie, spécialisé des violences masculines à l'encontre des femmes, et pour cause, mise en cause pour avoir agressé des étudiantes, mise en cause aussi pour ses méthodes pédagogiques, mais ça, je suis moins compétente pour en parler. En revanche, j'ai reçu des femmes victimes de violences de Welser-Lang, et donc au moment où il a failli être, enfin où il était question qu'il soit nommé professeur, avec Marie-Victoire Louis, en tant qu'ancienne présidente de la VFT, toutes les deux, nous avions écrit aux membres de la commission de nomination pour informer les membres qu'il était impensable qu'il soit nommé professeur compte tenu de, des plaintes multiples qui existaient à son encontre. Et qu'à minima, il fallait que l'administration universitaire ouvre une enquête et se vérifie la validité des plaintes qui avaient été formulées. Ce qui n'a pas été fait, il a été nommé professeur. Nous avons exercé un recours auprès de M. Fillon, qui était alors ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On sait par les personnes qui travaillaient en interne que ça a posé beaucoup de problèmes, mais pour autant, la nomination a été entérinée. Et on apprend aujourd'hui qu'il serait question de lui remettre un éméritat pour sa carrière. Alors moi, je propose que nous votions un déméritat pour M. Welser-Lang. C'est quand même très important, cette procédure, parce que ça dit aux victimes, en gros, ce que vous pouvez dire, c'est pas grave. Enfin, l'agresseur a le dernier mot. Ça pose aussi la responsabilité de l'administration qui n'a, pendant ces 20 ans, là aussi, jamais rien fait contre quelqu'un qui était officiellement désigné par plusieurs victimes et d'actes graves, d'agissements qui sont qualifiés pénalement. J'ajoute que quand, parce qu'on a été poursuivi en diffamation, en tant qu'autrice, Marie-Victoire et moi, de cette lettre, ainsi que l'ANEF, il y avait huit femmes qui étaient poursuivies, et que contrairement à ce que dit M. Welser-Lang, il a perdu son procès. Nous avons toutes été relaxées pour diffamation. L'ANEF sur des questions de procédure, Marie-Victoire, Louis et moi sur des questions de fond, ce qui fait que quand on lit le jugement de relax, notre jugement de relax, la présidente a pris soin de décrire que nous avions tous les éléments qui nous permettaient d'informer les autorités du fait qu'il y avait matière à enquête. Voilà, moi, je trouve que la responsabilité de l'université est posée, la responsabilité de l'État est posée, et je pense que ce serait un beau cas pour saisir la rapporteure sur les violences au niveau international, éventuellement le comité CEDEF, donc sur la convention d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, comme exemple de la complicité, de la tolérance qu'ont les institutions vis-à-vis des agresseurs sexuels. Merci beaucoup. Bien, donc on va passer à la troisième question. Quels sont les effets de ces mobilisations, actions donc, que vous avez engagées et quelles sont les perspectives d'avenir ? Toujours 5 minutes, donc je commence par vous. Encore ? Non, ça vous convient ? D'accord. Donc, les conséquences de notre mobilisation, nous, on a pu le voir, c'est quand même un peu plus d'empathie envers les victimes de cyberharcèlement. Leur situation est mieux comprise. On a permis aussi à ce qu'il y ait moins de rétribution sociale pour certains, pour les agresseurs, quand il y a certains cas de cyberharcèlement, notamment celui à caractère sexuel. Donc, quand il y a diffusion de photos, c'est... Il y a beaucoup moins de félicitations à l'encontre des personnes qui diffusent ou recèlent le média. Donc, toute notre mobilisation aussi permet une meilleure compréhension de la problématique. On a eu la chance d'avoir quand même certaines plateformes médiatiques pour parler de la thématique, pour la vulgariser, mais aussi on a pu en parler devant des hauts fonctionnaires et des membres du gouvernement. Donc, même si le temps institutionnel est beaucoup plus long, déjà pouvoir pointer qu'il y a un méfait social et qu'il faut une prise d'action, ça a été quand même une avancée.
Et puis, de manière générale, on a eu aussi plus de plateformes pour le féminisme intersectionnel. Donc, vraiment, qui est un féminisme qui nous tient à cœur, nous, qui permet, en fait, de comprendre les violences que subissent les femmes qui sont rarement uniques, en fait. Les femmes subissent rarement des violences simplement pour le fait d'être femmes. Elles subissent aussi des violences racistes, des violences classistes, des violences validistes et transphobes ou en raison de leur état de santé. Donc voilà, à l'avenir... Oui, l'agisme aussi, c'est une discrimination que les femmes vivent, effectivement. Mmh. Merci de... Merci. Et donc, à l'avenir, on recherche à créer de plus en plus de ressources féministes sur les cyberviolences, parce que c'est vraiment important, en fait, qu'il y ait une interprétation féministe de ce qui se passe et que ça ne soit pas dépolitisé et qu'il n'y ait pas une des brochures qui majoritairement disent « Oui, les garçons et les filles aussi subissent du cyberharcèlement, c'est dangereux, il faut faire attention. » Enfin, de manière générale, c'est majoritairement les femmes qui en vivent. On sait que le prix social, en fait, d'une photo de nue diffusée n'est pas le même pour une personne perçue comme femme que pour une personne perçue comme garçon, comme homme. Donc voilà, c'est vraiment important que les approches genrées, mais aussi sur les discriminations autour de l'origine, de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle et de l'âge et du classisme soient maintenues. Et voilà, de manière aussi dans la continuité de tout ça, on espère notre collectif pouvoir en fait créer, mais surtout continuer... ou mettre en... visibiliser, oui, je pense que c'est vraiment ça, visibiliser les discussions, en fait, en contexte français, sur le blanc triarcat. Parce que, voilà, nous, les limites qui nous sont un peu retorquées, c'est que bah, les analyses racialistes, c'est très américain, ça n'a pas de pertinence en contexte français, ce qui est très faux quand la France a été l'un des plus grands empires coloniaux, quand bah justement il y a une immigration qui est due à ces flux économiques, mais aussi ces flux de pouvoir. Donc quand il y a une immigration postcoloniale, il faut vraiment dénoncer, comme l'a dit avant Wissa Lacharghi. Donc voilà, il faut dénoncer l'impensée coloniale en fait qui limite certaines discussions. Et donc pour éclairer un peu ce qu'est le blanc triarcat en fait c'est le patriarcat des pays du Nord et particulièrement de ceux qui ont été des empires coloniaux ou qui entretiennent encore des rapports asymétriques ou empreints de néocolonialisme avec des pays du Sud. Parce que quand il y a eu des entreprises de colonisation, il y a eu l'exercice d'un biopouvoir, donc d'un contrôle des corps. Et cet exercice du contrôle des corps s'est exercé aussi sur les femmes. Et donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui doit être intégré dans le féminisme. Et c'est pour ça que le féminisme intersectionnel est très important pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Idaline, peut-être maintenant, quels sont donc les effets, ou ce que vous observez en tout cas, comme conséquences, effets de ces actions, de ces formations, et puis les perspectives d'avenir? Alors, les objectifs de l'association Lorelai, notamment des stages de base, sont multiples. Je vais en évoquer que quelques-uns. Comme j'ai déjà dit, à Lorelai, nous essayons de proposer l'autodéfense complète et adaptée aux vies des femmes. C'est pourquoi ce que nous transmettons aborde l'autodéfense émotionnelle, verbale, physique et mentale, et que c'est simple, rapide, efficace. Je le répète, mais c'est très important pour comprendre notre association. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour accéder au stage, donc mis à part cette limite de 16 ans, donc la limite inférieure, parce que les stages pour les jeunes filles doivent vraiment, et pour les enfants doivent vraiment être adaptés à elles. Et il n'y a pas de limite en termes de capacité de physique. On fait tout notre possible pour que les stages soient adaptés à tout le monde.
Donc, nous voulons que les femmes et les autres personnes qui participent aux stages et aux ateliers prennent conscience de leur capacité à se défendre, qu'elles prennent conscience de toutes les stratégies d'autodéfense qu'elles maîtrisent déjà et qu'elles mettent déjà en place, et qu'elles prennent aussi conscience de tout ce qu'elles sont encore en capacité d'apprendre. Parmi nos buts, il est aussi question de déconstruire les stéréotypes, notamment de genre, concernant aussi bien les violences physiques que la capacité à se défendre. Pour ne donner qu'un exemple de ce qu'on peut réfléchir pendant les stages, le soi-disant inconnu qui nous agresse la nuit dans un parking sombre n'est pas une réalité, en tout cas une réalité statistique. Ce n'est pas la majorité des agressions. C'est plutôt une croyance qui limite les mouvements des femmes et qui instaure un climat de peur. La majorité des agressions... En fait, cette croyance, elle... comment dire ? Elle nie aussi la réalité de nombreuses femmes. Et en fait, la majorité des agressions, et notamment des agressions graves, elles ont lieu au foyer. Et les agresseurs sont les conjoints, les ex-conjoints, la famille et les proches. Et notre objectif est que les femmes prennent confiance en elles-mêmes, qu'elles prennent conscience que leurs corps sont des armes et qu'elles prennent aussi conscience que le corps des agresseurs est vulnérable. Comme je l'ai déjà dit en parlant de Lorelai, un objectif central est la déculpabilisation des personnes qui subissent les violences. Nous soulignons qu'il n'y a pas de mauvaise et de bonne stratégie d'autodéfense. Il y a... toutes les stratégies d'autodéfense comportent des avantages et des inconvénients. Ou encore, il n'y a pas de technique qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de femmes qui ne savent pas se défendre. Il y a des agresseurs qui décident de continuer à agresser. Je vais parler maintenant des conséquences de nos actions, ou plutôt des conséquences de l'autodéfense pour les femmes. Ce que je vais dire maintenant est basé sur le travail de recherche d'Irène Zellinger, donc la fondatrice de Garance. Et ça combine à la fois ses propres expériences et l'étude de 236 textes, articles, chapitres d'ouvrages, thèses, etc. Donc, la pratique de l'autodéfense par les femmes, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'autodéfense féministe, a de nombreux impacts bénéfiques. Je vais parler par exemple de l'impact psychologique. Après avoir été formée à l'autodéfense pour femmes, les femmes ont moins peur. Leur image de soi et leur image corporelle s'améliorent, notamment en ce qui concerne leur capacité à être actrice de leur sécurité. Le sentiment d'être capable de se défendre physiquement et verbalement augmente. La pratique de l'autodéfense féministe a un impact positif sur les femmes en les aidant à améliorer leur qualité de vie. Après avoir été formées, elles verbalisent plus leurs besoins, elles valorisent leur contribution à la société. Elles sont plus indépendantes et elles sont plus autonomes. Pour évaluer l'évolution des agressions après l'apprentissage de l'autodéfense, nous disposons actuellement que d'études qui sont spécifiques sur les violences sexuelles. Donc, ces études vont toutes dans le même sens. Les femmes ayant suivi une formation d'autodéfense se font moins agresser par la suite. Elles se défendent plus en cas d'agression et elles résistent ou elles arrivent mieux à stopper les agressions que celles qui n'en ont pas suivi. Je vais conclure sur les perspectives d'avenir pour l'association. Donc Lorelai, c'est une association toute jeune, elle a tout juste un an. Et on estime que sa première année, c'est réellement un succès. On a encore beaucoup de projets. Dès septembre, nous pensons proposer au moins un stage de base par mois et deux ateliers de renforcement par mois. Nous avons déjà décroché une subvention de la Fondation des femmes pour donner deux stages de base à des jeunes femmes en situation précaire, notamment à des femmes migrantes. Et nous avons également développé un partenariat avec la ville de Boulogne-sur-Mer, donnant accès à l'autodéfense féministe à des femmes qui vivent dans des zones d'éducation prioritaire. Pour l'instant, on a fait un stage, on en a encore deux à venir, et ensuite, on va voir si on peut continuer. Parmi nos priorités pour l'année prochaine, il va être question de récolter de nouveaux fonds, de créer des partenariats afin que des femmes en situation précaire, qui ne peuvent pas payer les stages d'autodéfense et qui souvent n'ont même pas accès à la formation,
puissent suivre des stages de base et, dans l'idéal, des ateliers de renforcement sans devoir payer pour cela. Merci. Merci beaucoup. Catherine Lemagarès, donc, pour toujours cette même question sur les effets de ce que vous avez analysé, actions et les perspectives d'avenir. Alors, sur la dénonciation calomnieuse, donc, le résultat, je vous l'ai annoncé, c'était la loi, mais je vous renvoie au site de la VFT pour, où il y a le détail des 10 années de mobilisation pour cette loi. J'ai oublié de mentionner que Christophe Petitti était l'avocat qui a rédigé avec la VFT le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en totale égalité de collaboration. C'était très agréable parce que ce n'est pas toujours fréquent pour les avocats. Et puis sur la diffamation, on a été relaxé, donc c'est une victoire, même si Daniel Vézelin n'a pas été poursuivi pénalement, je veux dire, pour les actes qu'il a commis. Quand j'avais soulevé auprès du juge d'instruction l'éventualité d'une ouverture d'enquête contre lui, le juge d'instruction m'avait dit qu'il avait en gros d'autres chats à fouetter. Et là, je reprends les propos de Louise Michel, chaque procès est un étendard, il faut s'en servir à chaque fois pour faire avancer ce pour quoi on se bat, c'est-à-dire l'éradication des violences. Aujourd'hui, il me semble que le combat à mener, enfin dans tous les cas un combat majeur à mener, c'est la modification des définitions du viol, de l'agression sexuelle, qui sont construites autour de la présomption des femmes de consentement aux violences, aux activités sexuelles, c'est-à-dire que vous, moi, partout dans la rue, avec n'importe qui, à n'importe quel moment, nous sommes présumées consentantes aux relations sexuelles. Et cette présomption de consentement, elle ne tombe que si la victime arrive à prouver avec le procureur que l'auteur, l'agresseur, a utilisé des violences, contraintes, menaces ou surprises. Si on n'arrive pas à prouver un de ces quatre éléments, l'infraction ne sera pas constituée, il y aura une relaxe ou un acquittement. Ça veut dire que vous soyez mineur, que vous soyez personne en situation de handicap, que vous soyez sidérée, femme sidérée au moment de l'agression, ça ne change rien, il faudra prouver ces violences, contraintes, menaces ou surprises. Alors la Cour de cassation pour les mineurs a dit, dans une situation, c'est un arrêt qui date de décembre 2005, une situation où les mineurs avaient 1, 3 et 5 ans, que pour eux, peut-être, on n'avait pas besoin de prouver la violence, la contrainte ou la menace ou la surprise, vu que l'oncle peut-être exerçait assez spontanément une autorité qui lui permettait d'agresser sans que les enfants s'en rendent compte. Mais la motivation, c'est qu'ils étaient trop jeunes pour se rendre compte et donner un consentement. Mais ça veut dire qu'à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, on peut. On peut. Alors après ça, on peut être poursuivi pour atteinte sexuelle, mais pas pour viol. Surtout sur mineurs, quand même. Et ça, c'est un point qui rencontre, à chaque fois que je le soulève, une résistance énorme des juristes. Alors au nom de la présomption d'innocence, enfin, il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, et j'ajouterais que là aussi dans d'autres pays, le Canada comme souvent sur ces questions-là, mais l'Afrique du Sud, mais la Suède c'est intéressant parce que la Suède a un pays de culture juridique assez proche d'une autre, une culture de droit écrit contrairement au droit anglo-saxon. Certains États des États-Unis, là encore, notamment la Californie, la Grande-Bretagne, ont inscrit dans leur code criminel la nécessité de s'assurer du consentement positif des personnes. C'est-à-dire que avant d'initier une activité sexuelle, comme dit le droit criminel canadien, on doit s'assurer de l'accord volontaire donné à l'activité sexuelle en question. Ça veut dire que si je dis non, ça veut dire non et il y a viol. Si je dis oui, mais qu'il y a utilisation de violence, contrainte ou surprise, ça veut dire que mon oui n'est pas valable et il y a viol. Si je dis rien, il y a viol, puisqu'on doit s'assurer du consentement volontaire de la personne. Ça renverse complètement la perspective par rapport à la poursuite, alors qu'en France, si je dis non, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'en plus, il y ait violence, contrainte, menace ou surprise. En fait, ça rejoint la question de la résistance. C'est-à-dire que la violence, la contrainte, menace ou surprise, elle intervient parce que la femme a pu physiquement résister. Et c'est sûr que quand elle résiste, ça déclenche la violence. Et donc là, on est bien sûr qu'elle n'était pas d'accord. Et tout ça, ça nous vient du droit du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où pour qu'il y ait viol, il fallait que la femme porte sur elle des traces de coups, qu'on ait pu l'entendre à 8 lieues,
qu'elle, enfin voilà, il y avait tout un nombre de, un tas de critères qu'il fallait prouver, et à ce moment-là, on reconnaissait qu'il y avait viol. Mais si ces critères n'étaient pas là, il n'y avait pas viol. Et on est totalement dans cette tradition historique et juridique dont on ne s'est pas vraiment départi, en fait. On pense que la loi de 1980 qui a réformé le viol a complètement chamboulé tout ça. Mais non, on s'est inscrit dans cette pesanteur historique-là et on n'a pas réussi à s'en défaire. Et malheureusement, les féministes ont une part de responsabilité là-dedans, parce que je pense qu'on n'a pas su y voir clair, et on n'y voit toujours pas clair, parce qu'il y a des féministes qui s'opposent encore à la modification de cette définition du viol, en disant « oui, mais si on touche à quelque chose, on risque de perdre ce qu'on a gagné ». Bon, ce qui est une vision un peu dramatique. Je pense que c'est à nous de prendre le droit. Geneviève Fraisse rappelait que Clémence Royer, donc féministe du XIXe siècle, avait inscrit sur son papier à lettres « je prends mon droit ». Et je pense que le droit, c'est un outil de domination patriarcale, c'est très clair, mais qu'il ne faut pas le subir, qu'on peut aussi s'en emparer et le subvertir et se battre pour le modifier et obtenir des meilleures lois. Et voilà, et je pense qu'il faut s'engager dans cet esprit-là pour continuer à progresser, en sachant que le droit peut aussi régresser. Donc si on ne progresse pas, on régresse, en fait. Donc vaut mieux progresser. Oui, je sais. Merci beaucoup.